Salut les amis, c'est Varg, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous parler de mon partenaire InStore Gaming. Un site sur lequel vous trouvez des promotions incroyables sur plein de jeux, que ce soit des nouveautés, des DLC Dead by Daylight ou même des cartes PlayStation, je pense que vous trouverez votre bonheur sur InStore Gaming. Et vous trouverez le lien du site directement dans la description. Bon visionnage! Attends, il y a Acnologia qui m'a posé une question. Coucou Vargou, j'ai vu ta vidéo avec Tata Yamaoka, j'ai rigolé, c'était hilarant et GG. Merci à toi! Merci Acnologia, j'ai senti va bien. Patate, merci pour le follow. Oh, la victime. Hop là. Paté. Allez, là c'est la game fun, détente. Ne lui faites pas trop de mal non plus. Hein. Ah, il y a Smoke qui a décidé de farmer avec le tueur carrément. Quand je dis faites pas trop de mal, ne vous donnez pas non plus, hein. J'en suis pas là, mais oui, un PDF, je peux te l'envoyer. Sur Discord du coup, en MP directement. Laisse ma victime tranquille. Ah, il a une bonne perque là. Il a mis un petit écho de douleur là, c'est bien. Il va sûrement débarquer avec un pop. L'air de rien, 15 plus 45, 15 plus 25 ça fait 40. 15 plus 25, ouais c'est bien ça, ça fait 40. T'imagines? Écho de douleur plus pop derrière, hein. T'enlèves un 40% sur le générateur, c'est quand même très fort. Hein. Presque la moitié. Allez, écho de douleur acte 2. Écho de douleur acte 2. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un farceur. Moi non plus, mais c'est normal. Ils en ont marre de se faire bully. Au bout d'un moment, faut pas être mazo non plus. Pardon. Désolé pour ceux qui aiment le farceur, j'aime bien taquiner un petit peu. Et au bout d'un moment, tu sais... Voilà quoi. Mettre un survivant chez les tueurs, c'est pas forcément la meilleure idée quoi. Oh putain. Le petit massage. Il se mène sûrement. Je dois quelqu'un qui s'occupe de faire un totem là. Allez, nickel. Hop. Il est de retour du coup sur Azan. Mais écoute, douleur. Écoute, douleur ne fait pas régresser le générateur. Si personne ne le relance, du coup, tu ne peux pas poser le pop si le générateur régresse. Les trois quarts du temps, en fait. Quand tu fais péter un générateur avec écoute, douleur. 3 fois sur 4, le survivant relance le générateur. Le générateur pète, il a une certaine distance, mais le survivant va relancer le générateur tout de suite, tu vois. Parce que il a vachement bien avancé sur son générateur et il a pas envie du coup de laisser le générateur en... Il a pas envie de laisser le générateur régresser. Du coup, il va le relancer super souvent. J'utilise beaucoup le combo écho de douleur et pop. Je m'occupe du déhook, hein. Peut-être pas. Non. Oh merde.
m'étonne qu'il y ait plus de trickster en vrai. Ah oh putain. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut faire un clip? Oh bordel de dieu, il est encore sur moi en vrai. Oui, il est toujours sur moi en vrai le mec. Incroyable, j'ai une super palette en plus. Quel côté? Quel côté le salaud? Oh bordel de merde. Oh bordel de merde. Oh bordel de merde. La panique est faire karma. Moi c'est ça, marre-toi. Moi aussi je rigole beaucoup. Oh le salaud. Oh le salaud. Oh non. Oh, oh putain. Non. Non. J'aurais dû voir, j'aurais dû voir. J'ai pas été assez concentré en vrai. Oh putain. Tu me fais plus peur que ce tueur, tu sais ça. Il faut quand même y aller hein, pour que je te fasse plus peur que ce tueur. Parce que moi quand je vois ce tueur je suis horrifié, vraiment terrorisé. Vraiment de voir à quel point il est compliqué à jouer, tu vois. Hein, tu vois ce que je veux dire. Je te jure. Katamiti, merci beaucoup, merci pour le clip, tu gères poulet. Tu vas bien, ça roule ou quoi? T'as passé un bon week-end? J'espère que tu vas bien, je suis abonné à ta chaîne YouTube et j'aime beaucoup tes gameplays, c'est super gentil Chris, je vais super bien, je te remercie. Alors on se marre bien, tu vois, j'avais dit de toute façon les game tricksers généralement c'est toujours beaucoup d'humour, hein. C'est, il y a beaucoup d'humour quand il y a un trickster en face. Oh bordel. Aïe 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 aïe. Il est toujours sur moi. Il a rechargé là, je l'entends, il a rechargé. Oh. Bon week-end, demain week-end à nouveau. Mais c'est trop bien ça. Mais tu vas profiter un max, c'est trop bien. Cette ni pression de voir. Ah non, mais quand je joue un trickster, j'ai. Non, non. Je te jure. C'est. En vrai, tous les tueurs me font peur. Il n'y a que trickster. En vrai, ça va, tu vois. C'est bon. Ah, alors voilà. Il va couper le bon totem. Même pas. Il est passé à. Ah, si, quand même. Il m'a vu. Ok, King Sword, le 7ème mois, mais what the fuck. Le 7ème mois, what the fuck. Déjà, ça passe trop vite. King Sword, merci beaucoup. Merci à toi, Follet. Moi, j'adore voir la Nurse TP à 15 000 de moi. Quand elle contacte à toi, et bim, elle part à l'autre bout du monde. Moi, ouais, j'avoue, c'est fun, ouais. Il y en a qui détestent le farceur, et puis tu as Varg, mais je l'éclate avec lui. Ah bah moi je m'éclate bien avec le trickster effectivement. Et tant que tu gardes une distance de sécurité tu vois entre toi et lui ça va. Avec le Covid on est habitué à la distance de sécurité maintenant du coup. Donc du coup je continue d'appliquer ça tu vois quand je vois le trickster. Je garde une distance de sécurité. Ah. Oh putain de merde. Par contre, lui, il a décidé que la distance de sécurité, il la mettrait pas quand il y a Mercuria. C'est pas très raisonnable. Ah.
Il y a un coffre qui se barre tout seul là. Un petit 24 heures pour m'accompagner jusqu'à 7 heures. Maintenant là, ça va être chaud. Ça va être chaud quand même. Maintenant tout de suite là sur un coup de tête comme ça. Non, désolé. Pardonne-moi. Non, je suis pas chaud là. Salut Wavy, tu vas bien? Ça fait longtemps, ouais. Alors, y a Razan qui a monté la vidéo du coup de ma première session sur Crab Game que je vais mettre sur YouTube. Je sais pas quand, peut-être ce mois-ci ou peut-être le mois prochain. Et tu es dedans et à un moment on te voit rager, c'était très drôle. Vraiment, on te voit littéralement rager. C'était très drôle. Bon, à part ça, tu vas bien? Salut Xelix. En fait, ma coette a donné les BK dimanche. Mais écoute ça. Oui, elle m'a ramené le BK. Elle est arrivée du coup en vélo. Et j'avais un BK, bon, qui était froid, mais j'avais un BK quand même, donc je suis plutôt content en vrai. Elle a assuré. Oula. T'imagines si le rollback te faisait planter au point de déclencher ton spring burst? Là j'ai juste à m'arrêter même pas une seconde et bim, je récupère mon épuisement et je déclenche spring burst. Imaginez si le rollback te faisait planter à ce point là, en vrai ça serait tellement la guerre, ça serait tellement la galère. Moi c'est McDo ce soir, moi c'était hier. Ce soir on va essayer de manger sainement quand même. Ah, on va faire attention à la santé. Va sauver Mercuria. Tu es P1. Ça aurait été bien que t'aies sauvé Mercuria, tu es P1. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où là? Comment ça, tu te caches? Moi aussi je vais me cacher si c'est comme ça. On va jouer au plus sneaky, c'est ça hein, hein? La bourrique. J'ai perdu mes deux amis. J'ai perdu le soldat Razan et j'ai perdu la soldat Mercuria. Je suis... seul. Alors même en marchant j'arrive à esquiver quand même, c'est... Il va falloir vraiment up ce tueur hein, les amis hein. Là c'est clairement pas raisonnable, y'a vraiment un souci. Je suis seul au monde. Y'a rien à faire, je suis seul au monde. C'est quoi la perque en haut? C'est Nous vivrons éternellement de David King. Pour chaque stack, je gagne du coup 25% de points de sang bonus à la fin de game. Si j'arrive à, 100, si j'arrive à 4, je suis à 100%. En gros, si je fais 20 000 points de sang, j'en ferai 40 000 grâce à cette perque. Ça double. Si j'arrive à 4 stacks. Plutôt cool en vrai. Salut Elphine, tu vas bien? Mon vélo de compétition, il va super vite d'ailleurs. Super week-end avec vous deux, hein, Razan. Hein. Katavichi. J'utilise tout le temps la perque. Ah, c'est pratique en vrai si t'as besoin de points de sang. Ça te permet aussi de relever tes potes plus rapidement. Attention, faut pas l'oublier ça.
santé. Ah bah là il va falloir faire quelque chose mon pote. Non, tu vas pas faire le tour quand même. Tu comptes lâcher Tu comptes faire les QTE jusqu'au bout? Non mais ça, c'est sérieux par contre? Tu comptes vraiment faire les QTE jusqu'au bout là? Non mais mais putain mais c'est un truc de dingue. Non mais elle, franchement, cette PU là, mais jusqu'au bout hein. En fait, elle veut ma mort. Elle est pote avec lui, c'est pas possible. J'entends les violons, mais j'entends plus la trappe. Oh là 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 là. Allez mon pote. Retour à la case départ. Cette fin fait vraiment plaisir. Smoke it. GG, respect Neya. Mais mec, mais putain, Smoke it, je sais pas. Oui, c'est gentil le message de fin, il marque respect Neya, mais il a fait les QTE jusqu'au bout. C'est pas gentil. Et puis à un moment donné, il aurait dû prendre la chaise pour pas que Mercuria meure. Mais c'est pas grave, la game était super cool en vrai.